baisser le taux de température. Oh, mon frère système. Vraiment. Bienvenue. Merci, mon frère. Assieds-toi, s'il te plaît. Ah, vraiment, merci. Tu m'invites dans les grands milieux comme ça. J'ai failli me garer dans la rue. Monsieur système, dans ce genre de business, on évite poser au milieu des femmes. J'ai remarqué que ta femme peut aimer de l'argent. C'est pour ça que je t'ai fait venir ici. On en pose tête à tête. Hein, monsieur le doux. Une seule fois que tu arrives chez moi, tu reconnais la femme là. Hein? Elle aime l'argent. Pour peu que tu aies 10 francs, tu peux l'amener. Hein? Ah bon? Non, je blaguais. Je blaguais. Monsieur système, il ne faut pas blaguer avec des choses comme ça. Paman! Oui! Pardon, c'est quelque chose à mon ami là. Bonjour monsieur. Bonjour mon père. Est-ce que je peux vous servir? Donne-moi tout ce qui mousse, en dehors du box. D'accord, un instant. Merci beaucoup. Sinon mon frère, comment tu vas? Me voici, monsieur Loto. Vraiment, tu te rappelles des 500 mètres carrés donc nous sommes allés voir chez toi la fois dernière là. Oui, le terrain là. Non? Effectivement. J'ai dit que je t'invite ici afin qu'on cause tête à tête, à tête posée en fait. Monsieur système, tu sais, vu tout ce que on a eu à traverser dans la vie n'est pas facile. Monsieur système, ça ne gagne plus. Ça gagne. Ça ne gagne plus. Ouais. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Bon, mon frère, tu sais, à la santé. Ouais. Il faut me laisser comme ça, monsieur le deux température. Vraiment? Monsieur système. Oui. Je te donne combien concrètement sur les 500 mètres carrés de la planète? Monsieur le doux, tu sais, les affaires de terrain sont devenues très difficiles dans notre pays. Ce n'est pas facile de trouver un terrain. Je te vends ce terrain-là même tout simplement parce que tu es mon frère. Tu vas me donner 5 millions de francs. 5 millions! Tu comprends? Donc, je ne veux pas que l'on tiraille. Tu vas me donner 5 millions. Et dis, 5 millions pour les 500 mètres carrés là. C'est ton prix. 5 millions. Monsieur système, je te donne 2,5 millions de nos francs. Quoi? Il ne faut pas m'embrouiller, monsieur le doux. 2,5. Il y a les virgules sur l'argent. J'ai dit, tu me donnes 5 millions, tu me dis 2,5 encore comment? 5 millions! Ouais. Monsieur système, tu sais, peut-être quand je parle de 2,5 millions, tu ne comprends pas. 2 500 000 francs devant le notaire samedi. Si tu acceptes, bien sûr. Quand samedi, tu dis 2 500 on demande 3. Tu dis quand samedi? Samedi, devant le notaire. À quelle heure? 15h. Tu es sûr que c'est samedi, monsieur Ledoux? Parce que c'est samedi, vraiment, moi j'ai, tu sais, j'ai envie de devenir comme toi là. Regarde, tu es un grand monsieur. Les affaires de plantation que je fais chaque jour, je sème les tomates, je sème les carottes, ça pourrit au champ, les animaux mangent. Je vais arrêter avec monsieur ça. Monsieur système, je te donne 2 500 000 francs en espèces, samedi, à 15h. Si tu es d'accord, monsieur système, samedi, je t'appelle. Et puis, je te donne de l'argent. 2 500 000. Je vais ouvrir la quincaillerie. On arrange comme ça. Je vais être comme toi. Laisse. Monsieur système, faire acheter comme moi, c'est pas compliqué, hein. Il suffit juste de prier et de travailler dur. Je travaille. Je travaille. Et pourquoi veux-tu t'inquiètes? Je vais devenir la quincaillerie là dès que je veux ouvrir. Mes affaires vont rouler. Ça doit rouler. Et ça va marcher. Pas de soucis.
Conclu. Samedi, il faut respecter l'heure. Je serai là à 14h. Monsieur Système, je t'ai parlé de 15h. Je serai là. Avec le cash. Devant ton notaire. S'il te plaît, finis ta bien ou pas. D'accord. Rien que pour toi. Ah alors bon? Tu comprends là? Rien que pour toi. Mon frère. Parce que je savais que j'adhère que tu es au champ. C'est la magie seulement. Comment? Et je suis en train de voir. Non, mon frère. On a laissé le champ si longtemps. Hein? Avec une femme paresseuse. Hein? Quand tu viens chez moi, dedans le lait, n'est pas tu es fier. Hein? Vraiment. Tu vois le j'adhère que j'ai, non? Je commandais ça pour le champ si. Léon, c'est pas pour rien que je vous ai appelé. Hein? C'est que je suis arrivé ici, j'ai regardé la lue. Je ne pouvais pas, seul. Surtout avec une femme paresseuse. Je ne pouvais pas. Je cherche le crochet, ça casse même le crochet. Hein? Ça, c'est pas grave, mon frère. Ah bon? Donc tu ne vois pas tout ce que je fais là? Tu ne vois pas tout le travail qui est déjà battu là? Vraiment, hein, les hommes, hein, vous êtes toujours comme ça. Ça ne me surprend même pas. Tout ce que je fais, tu ne vois jamais. Maja, laisse-nous ça. Laisse-nous ça. Tu viens au champ combien de fois? Tu es venu au champ combien de fois? Mettre les vernis, dresser la tête, c'est là-bas que vous êtes forte. Maja, laisse. Ah. C'est comme ça qu'il fait. Il passe son temps au quartier à boire le matango. Après, il appelle la femme, il met la femme sur ça. Il passe son temps au quartier. Tous les clubs matango, il connaît, il abandonne le champ à cause du matango. Léon, ne prends pas sa défense. Ne prends jamais la défense de la femme. Je ne suis pas prêt à sa défense. Va des quatre ans. Ne prends jamais la défense de la femme. Je dis, qu'est-ce que tu me veux vraiment? Qu'est-ce que tu me veux? Tout le travail que j'ai dit avec là, tu ne vois pas. Même à manger, je fais la nourriture, tu choisis. Tu es toujours en train de te plaindre, je ne sais même pas pourquoi. Je me demande même si tu m'as vraiment aimé. C'est un là. Vraiment, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que ton frère veut. Tu me regardes tout ce qu'on a dit à faire là. Il est toujours en train de se plaindre. Je fais comment? C'est une vie ça. C'est une vie ça. Non. Belle soeur, n'écoute pas ce qu'il dit là. Tu sais qu'il bavarde beaucoup. Travaille bien, on rentre. Je ne sais pas. Le travail là, c'est bien dur. Travaille. Je ne sais pas. On fait bien, on rentre, pardon. Il est toujours là. Tu ne peux même pas manger en paix. Tu ne peux rien faire en paix. Il est là. Maja! Oui, chérie. Mais tu vas où là? Non, c'est comme si la diarrhée veut me prendre. Hein? C'est comme si la diarrhée veut me prendre, chérie. Vas-y! Oui. Hein? Je prends sa défense. Prends sa défense. Mais ça, on voit ensemble. Ça m'étonne. Qu'elle veut te parler de la paresse. Ah, tu vas discuter. Ça. C'est ça. Thank you.
Allô? Non, ça va un peu. Monsieur Auchan avait mon mari. On va rentrer le soir. Tu sais que quand il va, là, c'est pour rentrer le soir. Donc on passe toute la journée au champ. Et le champ n'est pas loin de la maison, hein. Sache-le. Ah bon? Donc je vais un peu voir ce que je vais faire là. Ok, voilà ce qu'on va faire. Donc tu vois, non? Comment on rentre le soir là? Donc il faut seulement que ça soit un peu rapide. Oui. Là, je crois que ça pourra aller. Ok. Mais n'oublie pas quelque chose. Tu connais la piste que tu avais montrée dernièrement, là, non? Voilà. Il ne faut pas qu'on te... S'il te plaît. Donc, passe par là. Mm-hmm. Ok. Ah, tout à l'heure, tout à l'heure. J'ai dit, elle ne chauffe pas. Tout à l'heure, tu cries la diarrhée, maintenant tu cries la tête. La tête me fait trop mal. Trop mal. Hop, vraiment la femme si, hein. Très fragile. Bon, on va aller à la maison, je vais t'accompagner. Attends. Non. Non. Non, chérie. Non, tu ne peux pas m'accompagner. Tu vois, on ne peut pas réunir tous ces gens, sinon, pour nous aider. Et après, je gâte la journée. Hein? C'est pas bien. C'est pas bien, ils ont aussi leurs travaux, non? Tu vois, on ne peut pas arrêter le travail juste pour un simple mal de tête. Tout ce que tu as prévu là, comme pension à travailler, là, on va faire comment? Ok, donc même Rosie ne peut pas aller t'accompagner. Non, je t'accompagne pas à la maison, non. Viens pas. Non, maman. Hein? Allez, non. Qui? Okay. Je vais juste prendre les parents, non? Il faut la laisser partir. Hein? Tu vois, depuis le matin qu'on est là, on est dans le travail. Il faut que, comme on est en groupe aujourd'hui là, tu vois un peu, non? On essaye de travailler un peu pour te retirer un peu dans la souffrance ici. Laisse-la rentrer, boire le remède et reviens. Ok. Donc tu peux aller seule. Non, oui, chérie. D'accord, non, vas-y. Je bois juste les parents, ça va aller. Vas-y. Tu vois? Tu vois? Quand je vais te parler de paresse, tu ne dois pas comprendre. Défends la femme. Défends. C'est maintenant que je comprends. Défends. Tu as bien raison, monsieur. Oh, vraiment de Dieu. Tu vois? Tu vois ce que je t'ai dit, non? Quand je te parle d'une femme paresseuse, dis-ce que des femmes... Est-ce que je pouvais croire? Je pouvais croire? Moi, je sais que c'est une travailleuse. Quand tu la vois le visage, tu sais que c'est une travailleuse. Je pouvais croire ça. On va voir ensemble. On va voir ensemble. Dis que si le travail si marchait normalement avec la femme-ci, c'est que vous n'avez pas de soucis. Monsieur Blanc, l'histoire c'est qu'on est en train de parler depuis là. Moi je suis un peu inquiet. Depuis que quelqu'un est parti depuis 2 heures. Monsieur Sop, tu attires mon attention. Oh. Tu attires mon attention. Ça serait mieux que tu rentres lui regarder. Hein? Parce que quelqu'un ne peut pas crier ma tête, ma tête, ma tête, ma tête depuis qu'elle est partie pour voir rien que les parents. C'est mieux que tu rentres là regarder. C'est ça, mon frère. Vas-y. Pardon, continue à travailler. Non, on va travailler. Fais-moi confiance. Tu es ma personne. Ouais. Fais-moi confiance. D'accord, je regarde et puis je reviens. Fais-moi confiance. Oh. Ma soeur, pardon. Oui, travailler. Bon. Oui, mon bon. Je cours à la maison regarder ta mère et puis on doit voir ce qu'il y a. Hein? Oui. Vraiment, tout à l'heure. D'accord. Continue seulement à travailler. Oui, j'arrive. On peut dire que paresse comme ça, que c'est vraiment la maladie. Hein? Oh. Tu reviens aussi tôt, hein? Ouais, Lion Blanc. Nous sommes dans ta table. Travaillez, ouais. Mon frère. Ouais.
Maja! Maja! Quelqu'un est malade, elle s'enferme. Maja! Elle ferme la porte. Aja, comment tu as entendu fermer la porte? Ouvre-moi! Hey. Hey. Je dis, hein, tu es rentré, tu as pris seulement la peine de te déshabiller. Mais tu as mal à la tête et tu te déshabilles seulement, Maja. Il fallait que je mette un peu l'eau sur moi. Regarde les cheveux. Yé, pourquoi c'est ébouriffé comme ça? Hé hey. C'est juste la fatigue, s'il te plaît. Ah bon, hein? Oui. Laisse-moi passer. Là. Non. Hey. S'il te plaît, quoi? Mamadou t'a même cherché, elle m'a dit qu'elle a besoin de toi de tout juger, pardon. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, hé, hey, hé. Hey. Mamadou me cherche, ça quoi, il faut avec non, ce que pas d'abord, je... Dégage là. Non, non, non. Voilà, ce n'est pas ce que je dis là. Ça c'est le chapeau de qui? Ça c'est le chapeau de qui? Ce n'est pas le chapeau de température ici. Son chapeau fait quoi dans ma chambre? C'est juste que... Que? Le chapeau de température fait quoi dans ma chambre? Ha 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 ha. Donc c'est avec le doux que tu me fais ça? Yeah yeah Seigneur, je ne te donne pas quoi Maja? Est-ce que moi-même je ne communique pas correctement? Je ne te donne pas quoi? Tu cherches quoi avec mon ami? C'est encore quoi ici? Hein? C'est l'enveloppe de quoi? Hé! Hey! Show! Ah ah! Wow, 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 wow! Ah ah! Massa! Maja, continue ton travail. Bon? Continue ton travail. Ah bon, je suis... Allez, arrête. Je suis riche. Continue ton travail. L'enveloppe... Oh, vraiment de Dieu. Voilà l'argent. L'argent, ça vient d'où? Ça vient d'où? Parle encore. Continue ton travail. Voilà, chérie. Comme tu vois là, je peux déjà te parler, s'il te plaît. Hein? Je peux te parler. Mais parle, non? Je t'écoute. Je t'écoute. Tu vois le chapeau, comme tu te plains là, le chapeau. Tu sais que je suis venue à la maison, non? Que j'avais mal à la tête. Ouais. C'est là que ton ami est venu, avec l'enveloppe-ci. Il m'a dit que c'est pour le terrain là, le terrain que tu connais. Doucement. C'est juste que... Doucement. Il a dit que quoi? C'est pour le terrain que je te remets l'enveloppe. Hein? Oui. Quel terrain? Quel terrain, Maja? Je veux te dire Tu es vampire? Je veux te dire Quel quoi? Terrain? Méfie-toi, hein? En lançant ton caillou la joie, méfie-toi. Quel ami? Il est obligé d'entrer dans ma chambre. Son chapeau. Où est mon intimité? Où est mon intimité, madame? Non, c'est pas juste. Tu sais que je suis rentrée du champ, j'avais mal à la tête. Donc pour marcher, aller ouvrir, je ne pouvais pas. Il est donc entré, c'est là que... Il est entré de lui-même. Attends, je vais l'appeler. Tout ce que tu racontes là, non? Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Je mets d'abord mon enveloppe. Je dis que je vais l'appeler. Je vais confirmer si pardon. C'est que... Ah, arrête. Chérie, tu peux m'appeler même demain, non? Appeler quoi demain? Méfie-toi, hein? Arrête-moi les conseils, là, hein? Température. Tu sais que le réseau dérange même aussi. Ouais, c'est ça. Je vais l'appeler. N'oublie pas le rendez-vous de Mamadou. Ne me trouble plus. Ouais, s'il te plaît. Tu vas me distraire. Non, est-ce que c'est urgent? Ça sonne. Est-ce que c'est urgent? Ça sonne. Ça sonne. Je dis que c'est aujourd'hui. Je veux savoir la vérité doit. Mais ça tombe au répondeur. Pourquoi il ne décroche pas? Pourquoi il ne décroche pas, Maja? Pourquoi il ne décroche pas? Je disais non, c'est le réseau. Ça sonne, tu dis que le réseau. S'il ne décroche pas, je vais confirmer. Tu vas.
En tout cas, tu veux m'aller là-bas. Continue seulement ton travail. S'il apporte encore des millions comme ça, prochainement, mon problème est où? J'appelle encore. S'il ne prend pas l'appel, si. N'oublie pas, ça sonne toujours. Le rendez-vous de Mamadou. Ça, voilà, voilà. Mamadou. Allô? Monsieur Température. Bon, excusez-moi de te déranger. Hein. Je voulais simplement savoir si notre rendez-vous la tient toujours. Samedi. Donc tu seras là. Mais pour le moment, tu es où? Je suis 5h du matin. Oui. Depuis 5h du matin. Tu es loin à Balmayo. Mon frère, bon voyage, hein. Nous gardons notre rendez-vous de 15h demain samedi. C'est ça, non? Voilà, mon frère, bon voyage. Tu me salues tes frères de l'autre côté, hein. Voilà. Parle encore. Parle encore. S'il te plaît. Pardonne-moi l'erreur. Seigneur. Tu sais que c'est toi que j'aime, non? Tu n'aimes quoi sur moi? Mes confrères notables me conseillent la polygamie tout le temps. Je dis que monogamie de quoi? Non. Quelle trahison. Non, s'il te plaît. Quelle trahison. Ne l'oublie pas. Quelle trahison, mon Dieu. S'il te plaît. J'ai parlé même des millions. En tout cas, je ne vends plus le terrain. Je ne vends plus le terrain là. Demain, je veux même appeler mes confrères. On va le découper quand il va. Je ne vends plus le terrain. Avec l'agence, j'ouvre la quincaillerie là. Et je ne vends plus le terrain. Monsieur ça. Ce que comment depuis qu'on est là, on comprend, tu fais les bruits là-dedans. Il y a quoi? Non, il n'y a rien, mon frère, il n'y a rien. Nous, on a vu un bandit passer, ou c'était qu'un bandit, c'était que quelqu'un est passé devant nous là-bas en courant, il était nu. Ah bon? On l'a même chassé jusqu'à il nous a échappé. Non, non, il ne vient pas d'ici. Il ne vient pas d'ici. Et depuis que tu as dit que tu partais à la maison, regardez ta femme, tu fais quoi depuis? Mon frère, toi-même, tu connais les femmes. Tu connais. Elle est là, elle pique les mots de tête. Je l'aidais un peu. Je l'assistais, non? Bon, madame, on part. Je récupère mon chapeau. Voilà, je récupère mon chapeau. Nous, on a aussi attendu Fatou. Voilà, on ne bouge pas. On l'attend ici. On n'est pas ses esclaves. Quand on va rester au champ, on travaille. Il est depuis qu'il est venu. Allons-y. Bon, ok, alors. Allons-y. Bon, tout à l'heure, chérie, tout à l'heure. Allons-y. C'est